Je m'appelle Arthur et je suis un funambule moderne. Je marche en équilibre sur une sangle. On appelle ça la slackline. Quand la slackline est tendue en hauteur, on parle de highline. La highline, c'est difficile, intimidant, terrifiant même. Mais avec la pratique, ça devient vite grisant. La sensation d'équilibre, de contrôle, le calme qui s'installe dans mon esprit, c'est ça que je recherche. C'est un moyen pour moi de m'évader, de méditer. J'entre dans un espace mental qui m'est propre, qui m'apaise, qui me rend heureux. Cet espace mental, j'aime y rester longtemps. Et naturellement, pour y rester longtemps, j'évolue sur des lignes longues. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une de ces lignes. La plus longue que j'ai pu parcourir, la plus longue au monde. Je vois le monde à travers mon regard de highliner. Quand mes yeux se sont posés sur le col de la Croix Saint-Robert, j'ai su que c'était l'endroit idéal pour installer une highline hors norme. Ce col offre de magnifiques paysages verdoyants, et les deux sommets qui le bordent, le puits de Langle et le Roc de cuseau culminent à la même altitude et sont distants de 2710 mètres. 2710 mètres, une distance immense, improbable, ambitieuse, mais je le sais, réalisable. Nous sommes en septembre 2020 et l'idée se grave dans ma tête. Petit à petit, je me renseigne, je m'entoure et l'idée... Devient un vrai projet. Deux ans s'écoulent. Le projet 2700, comme je l'ai appelé, est devenu une réalité. Nous sommes le 1er août 2022, il est 19h, et enfin, la ligne est là, tendue devant moi, elle est prête, elle m'attend. Je m'isole, je retire mes chaussures, mes chaussettes. Je marche pieds nus dans l'herbe. Ça m'aide à me détendre. Je m'échauffe les épaules. Et il est temps. Je monte sur la ligne. J'exécute les mouvements parfaitement ancrés dans ma mémoire musculaire. Et je suis assis sur la ligne. Je respire encore quelques instants. Et je me lance. Je transfère du poids sur mes pieds et doucement je me lève, je commence à marcher. Immédiatement, la difficulté me frappe. Je dois lutter pour chaque pas, pour chaque mètre. Au bout de dix minutes, j'ai parcouru seulement 200 mètres et je suis déjà fatigué. À ce rythme, les 2500 mètres restants vont demander trop de temps et d'énergie. Je risque l'épuisement, l'évanouissement. Je prends ma décision, je m'arrête je m'assois de nouveau sur la ligne. Immédiatement, un sentiment de soulagement m'envahit. Je sais que j'ai pris la bonne décision. Beaucoup plus détendu, je fais demi-tour et je rentre à l'ancrage, bredouille, mais heureux malgré tout. Nous sommes là pour deux semaines. Il y aura d'autres tentatives. Sur la ligne, le funambule évolue seul. Mais autour, nous sommes 25. 25 passionnés. Nous venons d'un peu partout en France, mais aussi d'Italie, de Roumanie, d'Allemagne, de Belgique, du Canada et des États-Unis. Chacun est essentiel, et nous le savons. Nous sommes une équipe soudée, réunie autour d'un but unique, profiter au maximum de cette ligne exceptionnelle. Chacun a ses ambitions personnelles, mais c'est bien un effort collectif. Qui est nécessaire pour que tout fonctionne. J'ai ouvert le bal sur la ligne et rapidement les autres membres de l'équipe me rejoignent. Le matin du 2 août, nous retendons la ligne, et à la faveur de vents favorables, Augustin prend pied sur le puits de l'angle après avoir traversé toute la ligne sans tomber. Cette performance constitue le nouveau record du monde. Pour Augustin et pour le groupe, c'est la consécration. Le projet est un succès. À partir de maintenant, tout ce qui se passe fait du projet un succès encore plus grand. Les doutes, les incertitudes sont balayées. La traversée sans tomber, le send est possible. Le lendemain matin, Tania réussit le second send. Et au fond de moi, je sais que je peux y arriver aussi. Et le 4 août, c'est de nouveau mon tour c'est une matinée d'été calme comme tant d'autres avec un temps magnifique à huit heures et dix minutes je m'élance à nouveau cette fois l'équilibre est bien plus simple à tenir la météo est idéale mon état d'esprit excellent j'atteins rapidement l'état de flot une sorte de transe une bulle mentale qui transforme le stress en énergie en apaisement en confiance je marche en rythme, avec douceur et précision. Je suis lucide, concentré, méthodique, déterminé. Depuis des mois, je suis sur tous les fronts pour tout organiser, mais je n'y pense pas. Je ne pense pas non plus au record du monde. J'ai une seule chose en tête, rester debout. Mon corps entier s'y emploie. En mode automatique, il sait ce qu'il a à faire. Effleurer la sangle avec l'orteil. Aligner le pied, le poser, le charger, recommencer. Le même geste technique, fin, délicat, à réussir 7000 fois de suite, les yeux rivés sur la sangle, 30 mètres en avant, sans faillir, pendant près de deux heures. C'est ma seconde traversée, et je le sais, certainement la dernière. Nous allons démonter la ligne dans l'après-midi pour éviter de l'exposer aux vents violents et aux orages qui sont annoncés. Elle sera peut-être remontée ensuite, mais c'est incertain. Et si c'est le cas, je laisserai les autres en profiter. Ils le méritent. Tout en gardant mon objectif en tête, je grave les sensations dans ma mémoire. Le vent léger et constant qui facilite ma tâche. Les petits déséquilibres. La texture de chaque section de sangle. J'ai la certitude que je vais y arriver. Je constate, amusé, comme à chaque fois l'absurdité de la situation je suis en train de marcher dans le ciel il n'y a rien à 150 mètres dans toutes les directions à gauche à droite en haut en bas derrière devant seulement moi et la high Line. la ligne est composée de sept sections de sang différentes cela nous permet de nous orienter de connaître la distance parcourue. J'atteins la sangle orange, c'est la dernière, il reste 500 mètres. J'en ai parcouru 2200 et je me sens arrivé. Devant moi, l'ancrage, la ligne d'arrivée m'attire et machinalement, j'accélère. Je connais cette sensation, je sais qu'il est possible de tomber. Je dois rester concentré, je me force à ralentir. Allez Arthur, encore 20 minutes et ce sera fait. « À voix haute, je m'encourage. Tranquille, calme, allez, ça va le faire. Patience. » Je sais que j'ai bien géré ma traversée. Mes épaules sont détendues et mes pieds pas trop douloureux, même après une heure et demie d'effort. Les quelques randonneurs curieux ne sont plus des points lointains, mais des silhouettes bien définies. La sangle défile sous mes pieds, je suis proche, je reconnais mes amis. Je sais que les derniers mètres peuvent être traîtres, mais je suis préparé, je sais ce que j'ai à faire. J'entre dans les 20 derniers mètres. Il est convenu que, une fois cette zone atteinte, le record est validé. Si je chute, je toucherai le sol avant d'être retenu par ma longe de sécurité, et c'est un risque que j'ai le choix de ne pas prendre. Je profite encore de quelques derniers pas. Je retire mon chapeau pour saluer le public et je saisis la sangle à pleine main. J'ai réussi, j'exulte. Au total, nous sommes huit à partager le record. Dix autres ont réussi à traverser en chutant une ou plusieurs fois. Ce bilan est exceptionnel, c'est du jamais vu dans notre milieu. Je suis fier de détenir le record, mais ce n'est qu'une petite partie, une brique dans l'aventure collective qui représente ce projet. La vraie fierté, le vrai accomplissement, c'est la transformation d'une idée absurde dans la tête d'une personne en réalité dans les mains de 25 personnes. Nous avons réussi ensemble. Le groupe a accompli son objectif. Personne n'a gagné ou perdu. Aujourd'hui, le projet est devenu un souvenir puissant, gravé dans la mémoire de chacun. Nous sommes les marcheurs de ciel. Et peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous le serons toujours.